Une fois le système stabilisé, vous verrez, le diabète devrait disparaître. En 6 semaines, on va faire en sorte que votre diabète disparaisse. La chose importante, c'est qu'il y a une déstabilisation globale du corps. On leur a juste appris des processus simples pour stabiliser leur système énergétique et leur corps. C'est une céréale à libération très lente, donc il n'y aura pas de pic de sucre. Je sais qu'aujourd'hui, une des plus grandes pandémies sur la planète, c'est le diabète. Bon, aujourd'hui, les gens mesurent juste le taux de sucre dans leur sang ou leur urine et en tirent certaines conclusions. Le sucre étant là en rapport avec un certain organe, comme le pancréas. Soit il est dysfonctionnel, soit il ne fonctionne pas comme il faut. Mais ce n'est pas comme ça qu'on voit ça en yoga. Dans le système du yoga, on dit que si votre vijnana prana ne fonctionne pas bien, une des manifestations, c'est le diabète. Essentiellement, c'est un déséquilibre du corps. Vous regardez juste le sucre, il peut y avoir beaucoup de sucre, mais ce n'est pas ça. L'important, c'est qu'il y a une déstabilisation globale du corps. Si vous n'avez aucune autre sadhana, le moyen simple, c'est de rester en contact avec la terre ou le sol. La richesse des sols et la richesse du corps sont liées. Et si vous vous connectez au sol, peut-être si vous ne faites pas d'agriculture, vous pouvez peut-être jardiner un peu au moins, pieds nus et mains nues. Si cela non plus n'est pas possible, vous vivez dans un nid. Si c'est le cas, au moins, offrez-vous un bain de boue. Prenez un peu de terre et étalez-la sur votre corps. Attendez qu'elle sèche. 30-40 minutes et lavez-la. Au moins, une fois tous les quelques mois peut-être. Donc au moins une chose simple, comme marcher dans votre jardin sans chaussures, pourrait stabiliser votre vijnana de façon raisonnable. Il y a des kriyas pour stabiliser le système de telle façon que, naturellement, ça va impacter le taux de sucre ensuite. On a des centaines de personnes qui se sont complètement sorties de leur diabète avec nous. Pour la plupart d'entre eux, on n'a pas du tout traité le diabète. On leur a juste appris des processus simples pour stabiliser leur système énergétique et leur corps, ce qui leur a permis de sortir de leur état diabétique. Le Shambhavi Mahamudra peut aussi faire ça. Une fois le système stabilisé, vous verrez, le diabète devrait disparaître. Mais si vous voulez un moyen plus rapide et plus efficace d'en sortir, si vous passez 6 semaines avec nous, très probablement, 70% du temps, en 6 semaines, on va faire en sorte que votre diabète disparaisse. Il y a des gens qui sont durs à cuire au niveau du sucre. Pour eux, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais au moins 70% des gens vont s'en sortir en 6 à 8 semaines. Si vous avez du diabète, on a des systèmes puissants en Siddha, on peut faire ça. Mais le Siddha est un peu amer. Si votre diabète n'est pas si gênant que vous n'allez pas prendre des médicaments si amers, on va choisir l'Ayurveda. Le Siddha Vaidya, dans une certaine mesure l'Ayurveda, un régime adéquat et de l'exercice, on peut facilement inverser ce processus. Le millet met du temps à cuire. Il cuit un peu plus longtemps que le riz. Mais il fait bien plus. C'est une céréale à libération très lente, donc il n'y aura pas de pic de sucre. Parce que vous mangez du millet, il libère sa partie glucidique très très lentement. Donc en particulier ceux qui souffrent de diabète, ou ceux dont la vie est menacée par le diabète, le ragi et les autres millets aussi font un travail fantastique.